Bien bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vais passer le motoculteur surtout le potager, donc pour détruire tout ça et retourner la terre, voilà, pour vraiment bien mélanger pour faciliter donc la décomposition. Allez, c'est parti. Voilà, donc l'objectif donc c'est de passer le motoculteur donc sur le potager, hein, pour détruire la végétation, hein, donc voilà, donc c'est vraiment pour vraiment tout détruire. Ensuite donc avec les fraises, hein, ça va vraiment tout ça, ça va être broyé avec la fraise, il y aura vraiment quelques difficultés, vous voyez, ça s'arrache assez bien. Ensuite vous pouvez voir qu'il y a une bâche, donc c'est pas une bâche en plastique, c'est une bâche avec de l'amidon de maïs qui est biodégradable. Donc ça n'a vraiment pas d'impact sur l'environnement. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser sur quelques images, hein, donc, du boulot. Et on se voit juste après donc, pour voir les résultats. Allez. Bien voilà, donc j'ai fini donc tout simplement donc de passer le motoculteur, hein, donc vous pouvez voir que le boulot se fait vraiment bien. Bon, ça a un peu été embourbé au niveau de la fraise, mais bon, c'est pas dérangeant, hein, fallait un peu tirer et ça allait marcher. On peut voir que le boulot, voilà, est plutôt propre, hein, et tout est bien mélangé avec la terre, ça va vraiment faciliter la décomposition. Donc voilà, donc j'ai une terre très fine. Voilà, après j'ai quand même travaillé vachement profond. Voilà. Sur à peu près 10 cm, voilà, pour vraiment que ce soit facile à la décomposition, hein. Donc, comme je vous dis, hein, les bâches plastiques, hein, c'est biodégradable, hein, ça va avec contact avec la terre, hein, ça va se dégrader, il n'y a vraiment aucun problème, hein, pour l'environnement. Voilà, vous pouvez voir que voilà, les débris, hein, sont vraiment bien hachés, hein, avec la fraise, hein, bien décomposée, hein. Là, voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment bien découpé. Alors, pas de soucis, voire même carrément déraciné, hein, donc voilà. Donc voilà, donc le chantier vraiment propre. Voilà, donc d'ici quelques jours, hein, je vais tout simplement mettre donc un couvert végétal, donc un engrais vert. Donc d'ici quelques jours, hein, je vais mettre ça en place.
Donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour le semis, hein, quoi comme espèce, etc. Et aussi un peu les bienfaits tout simplement donc de l'engrais vert. Voilà. Voilà, j'en termine pour cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous aura plu. Mettez-moi un petit j'aime, à commenter et à partager autour de vous. Et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!